Otep Laman Diop. C'est pour alors la famille. Alors, j'ai posté une vidéo introduction sur la page Kurumalab. Allez la voir après ce live. Parce que normalement, on aurait dû la voir en premier. Mais c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. L'ordre en fait, si on soit on regarde ce live ou bien la vidéo avant. Alors, comment ça va? Moi, ça va très bien. Bon équinoxe à tous et à toutes. Et t'es où la balance? Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Qu'est-ce qu'il y a à savoir pour toi? Alors, comme vous le savez, j'essaye de faire chaque jour, mais parfois il y a des défis, donc on n'arrive pas à le faire. Il y a eu quand même un petit délai entre le dernier live, qui était peut-être un jeudi ou vendredi. Et non, c'était un jeudi, je pense. Et aujourd'hui. Mais pendant ce temps, ce qui se passe, c'est que puisque j'avais prévu de le faire, l'information descend quand même. Okay? Donc voilà pourquoi j'ai écrit sur mon profil que ton dossier est lourd. Bon, c'est une façon de parler. Quand je dis lourd, c'est juste qu'il y a des choses à dire. Okay? Rien d'inquiétant. Donc, comme je dis, l'information tombe quand même, même si je n'ai pas pu faire le live, ce que la guidance me dit, c'est-à-dire ce que les guides nous disent. Qu'est-ce que les hétéros nous disent? C'est que c'est important on parle de que tu te lèves, ok? Que tu te lèves, mais dans le sens de ton symbole. Tu vois ici, je vais essayer de dessiner ça. On ne se moque pas de mon dessin. Hein? Donc, que tu te lèves ici, mais comme un peu ton symbole, c'est vrai que de retrouver la paire, quand je dis la paire, c'est-à-dire de retrouver l'autre, de retrouver, tu aimes vraiment cette harmonie avec l'autre, ok? Mais on insiste sur le fait que tu te lèves en premier et tu es flexible également, donc de te lever, d'être flexible. Mais surtout de retrouver cette paire aussi d'abord en toi, ok? En premier, de retrouver cette paire en toi. Et t'es pour... Je m'excuse, parfois même je dois aussi annoncer sur WhatsApp, parce que je vois certains avec qui je suis en contact sur WhatsApp qui sont connectés, j'aurais dû leur dire que je pars live, mais j'oublie. Alors revenons à Hétéro, je ne veux pas oublier, donc de retrouver l'harmonie en toi et que cette magnifique... Ce magnifique couple, en fait, que tu recherches, il est possible de le créer d'abord en toi. Ça, c'est ce qui a été dit en premier, ok? Hétéro. Ah! Tu as tellement l'impression d'avoir traversé des injustices, et puis des instabilités, mais on insiste pour que tu puisses, justement, en toi, retrouver ta justice, et puis en toi, retrouver ta stabilité. Était pour, était pour, était pour. Ok, donc c'est ça. Ensuite, je vous invite à aller voir donc l'introduction aussi que j'ai mis sur la page de Kurumalab. Ok, et là maintenant, la série c'est à qui tu as affaire, comme je l'ai fait pour les autres signes. Aujourd'hui, pour Hétéro, on va voir à qui tu as affaire. Ah tiens, avant de regarder à qui tu as affaire, on va dire le contexte, ok? On va te donner le contexte, comme ça tu auras une idée précise. Est-ce que c'est pour toi ou bien c'est pas pour toi? Une fois que j'aurai fini de faire le tirage de concept, sur le con concept, contexte, pardon, là tu sauras. Bon. Et désolé, ça se peut que ma voisine débarque. Parce que là j'ai changé d'angle où je fais la vidéo. Et c'est possible que ma voisine débarque à tout moment. On va continuer le live. Elle aime venir souvent parler.
échanger. On est un peu comme une famille ici. Et oui, bien sûr, elle sait que je fais des séances de divination. Alors, on va regarder le contexte pour toi. Oh, tu t'es senti trahi. Mais pourquoi tu veux donc regarder pour une personne pour qui tu te sens trahi? Hein, on dit aussi pour tu t'es senti trahi, mais il y a aussi Hétéro, la balance qui veut regarder pour elle sent que quelqu'un de loin est en détresse et a besoin d'aide. Ok? A besoin d'elle. Ok? Est-ce qu'il y a autre chose à savoir? Je vais approfondir. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir à propos de ce 3 de que je vois là. Oui, ben c'est ça, il y a deux. Donc on est en train de regarder le contexte, ça concerne deux types de balances. Il y a une balance qui s'est sentie trahie, qui sort d'une... On dit break-up, mais comment on dit ça en français? Qui sort d'une rupture. Et il y a aussi une autre balance qui regarde de loin quelqu'un qu'elle veut assister, qui sort d'une rupture. Ok? Ça m'étonne que tu veuilles consulter pour quelqu'un pour qui tu sors d'une rupture. Mais bon, ça me regarde pas, non? Non, mais honnêtement, quoi. C'est ce que tu veux savoir. Qu'est-ce que tu veux que j'ai à dire? Oh oui, oh. Ok, pourquoi tu veux consulter pour quelqu'un qui était très dominant en fait. C'était une relation où tu étais dominé. Et là, il y a eu rupture. Et donc, tu veux savoir quand même à qui tu as affaire. Je comprends. Quand les sentiments sont forts, on essaye toujours de se dire, bon, malgré ce que j'ai vu, malgré telle et telle chose, peut-être que. Donc, je te comprends, ok? J'ai pas à questionner. Moi, je suis là simplement pour lire pour toi. J'ai pas à questionner. Ok. Alors, celle-là, je la comprends pas bien. Je vais l'éclaircir. Laisse-moi l'éclaircir. Je la comprends pas. Ah, oh, ok. Oui, ben c'est ça. Vous êtes séparés. Vous êtes séparés. Il y a quelqu'un qui sort vraiment de ta vie. Mais tu veux quand même savoir à qui tu as affaire. Bon, j'arrête, ok. J'arrête. Moi, mon rôle, c'est de te donner l'information. Et non de me poser, et non de questionner, là. Yeah, parce que le cœur se crée une raison, n'est-ce pas? Le cœur se crée une raison. Tu veux vraiment avoir des nouvelles, ok? Vous êtes séparés, mais tu veux avoir des nouvelles de la personne. Qui elle est? Ah. Elle est immature. Elle est immature. Qui elle est? Elle est immature. Ça, je te le cache pas. Oh, qui elle est? Ok, pourquoi est-ce que tu n'as pas eu accès aussi à sa véritable à sa véritable elle-même? Eh bien, parce que elle était en train de construire aussi ailleurs en même temps. Ok? Elle était en train d'investir ailleurs en même temps. Oups! Ok! C'est quoi? C'est la personne qui veut pas ou quoi? Mes cartes sont tombées tout d'un coup. C'est quoi? Tu veux pas que Hétéro sache? Hétéro va savoir. Hétéro va savoir. Alors, on continue. Immature, oui, immature. Le masque qu'elle a porté, c'est celui de... Elle t'a fait croire que vous alliez aller loin, vous alliez avancer. C'est ça qu'elle a. Et que, ben, elle a aussi porté quand même sa vraie nature, parce que dans le contexte, on a vu qu'elle est très dominante. Eh bien, ici aussi, c'était pas vraiment un masque, c'était ça, comme elle est comme ça, dominante. Donc, elle a vraiment fait preuve de dominance. Elle a souvent pris le devant, elle a souvent... Voilà quoi. Souvent pris le devant, souvent été au contrôle aussi. Bon, je crois que ce tirage va t'aider à bien faire la guérison
et va t'aider aussi à être sûr, parce que ce que tu as vu, c'est vrai qu'on peut douter, mais là, une autre personne complètement objective, voilà, qui connaît pas l'autre, vient te confirmer ça. Donc, je pense que ce tirage définitivement vient t'aider à guérir, parce qu'avec cette vérité, tu guéris et puis tu avances, ok? Tu avances véritablement, tu tournes la page, tu guéris, ok? Tu guéris hétéro, tu guéris. Voilà. Et maintenant, c'est quoi le conseil? J'ai pas envie de te... Ok, elle est sortie. Ok, oui, le conseil. Arrête de nourrir les sentiments. Arrête de nourrir espoir. Arrête de nourrir... Quand je dis nourrir les sentiments, mais c'est... C'est-à-dire, tu vois, toute l'énergie que tu prends quand tu penses à l'autre ou tu veux savoir sur l'autre, c'est ça qu'on dit d'arrêter. De nourrir ça, arrêter d'envoyer tout ça avec force, ok? Arrêter de que tu sois encore te vois en soutien par rapport à cette personne. Et ça aussi, c'est valable pour celle qui veut assister une balance en comment on appelle ça? Pas en difficulté, en détresse en fait en ce moment, qui se sent en détresse émotionnelle en ce moment, ok? Donc non, arrête de nourrir des arrête de nourrir des... Qu'est-ce que j'avais dit? J'ai oublié de nourrir. Enfin, d'envoyer vraiment de l'énergie ou bien de nourrir espoir. Hein? D'avoir espoir, voilà. C'est ça le mot. C'est ça le mot. Ok, donc je faisais juste reprendre un peu plus de sauge. Merci, Jyoti. Oui, ah là là, oui. Ça, celle-là, je ne sais pas quoi dire. Ah, oui, suis le conseil, sinon tu risques de te faire plus de mal, ok? Parce que là, l'étoile renversée, c'est tout ce qui a trait à se blesser et tout, ok? Donc, suis le conseil, sinon tu te fais plus de mal. C'est ça le message. Je vais essayer d'aller vite. Voilà, ben, ok. Et l'issue, c'est que oui, on l'a vu au début, comment est-ce qu'il est dominant ici, tu vois ça, il est, en fait, c'est pas la personne qui vous regardez, mais c'est plus le titre, on dit l'empereur, comment est-ce qu'il est dominant, contrôlant et tout. La personne, ok, ça peut même être une femme. Hein? Donc, quand je dis il est contrôlant, dominant, ce n'est que l'image. On parle de la relation, okay, à la personne à qui tu avais affaire. Tu vois comment est-ce qu'il était comme ça à l'endroit. À la fin, arrête de nourrir des espoirs, etc. Sinon, tu vas te blesser, tu vas te faire du mal. Et puis, tu vois ici, oh, il est renversé, donc il n'est plus là, il n'est plus dans ta vie. Si tu suis justement le conseil, il n'est plus présent et aussi tu guéris véritablement. C'est important que tu guérisses, tu tournes vraiment la page et puis tu pourras mieux appréhender le nouveau. Ok? Voilà. Donc, à qui tu as affaire, je crois que tu savais déjà, mais tu avais besoin d'une confirmation afin que tu puisses guérir, hétéro. Ok? Afin que tu puisses guérir comme il faut, hétéro. Yeah. C'est très important pour toi d'avoir quelqu'un, je sais, c'est très important pour toi d'avoir quelqu'un. Mais n'oublie pas, tu sais quoi? Tu as déjà quelqu'un. C'est toi. La première personne que tu as, c'est toi. Et prends le temps pour te connaître mieux. Je te donne une idée pour mieux te connaître. Tu sais déjà que tu es hétéro, tu es la balance, mais ça, c'est ton signe solaire. Quel est ton signe lunaire? Essaye de savoir ça. Ben, d'abord, quel est ton ascendant? Ça va te donner des indications sur toi. Tu vas te découvrir vraiment, tu vas te découvrir un peu plus. Quel est ton signe de Vénus? Donc, en fait, pour mieux te connaître, je t'invite à regarder, chercher ta charte natale.
Okay, car ta charte natale renseigne plus d'informations sur toi avec tes différents signes, tes différents signes astrologiques. Donc, chacun de nous a plusieurs signes astrologiques en fonction des placements planétaires au moment où est-ce qu'elle est née. Ok? Alors, la carte maintenant de... Pardon, attention, pardon. Je dis pardon en latin parce que je l'ai un peu hanté. C'est assez brusque, un peu plus que moi. Oh, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois. Balance, la gardienne des balances, la justice. Mais fais-toi justice d'abord à toi. Fais la balance d'abord en toi. Fais l'harmonie d'abord en toi, avec toi. Ok? C'est sorti là. J'ai plus besoin de toucher la gardienne des balances pour la balance. On dit aussi générosité, mais pour toi d'abord. Sois généreux, généreuse envers toi en premier. Et puis, tu sais quoi? Si tu fais ça, si tu investis vraiment sur toi, regarde, celui-là, c'est un de mes, je vais pas dire préférés, mais quand je tombe sur ça, je suis très, très contente. Mais je suis déjà contente d'habitude, mais je suis encore plus contente. Pourquoi? Parce que celui-là, il t'annonce que tu récoltes la récompense, au fait. C'est des récompenses positives. Et puis j'aime beaucoup cette carte parce qu'ils ont choisi un autochtone aussi pour le représenter. J'aime bien, tu vois. Donc, compensation et persévérance. Mais, s'il te plaît, c'est avant de recevoir la compensation, là, les cadeaux de l'univers, ben c'est la balance, l'équilibre, la justice d'abord. Fais-toi justice envers toi d'abord, ok? Générosité envers toi. Et enfin, tu auras compensation suite à ta persévérance. Mais parce que tu as investi sur toi. C'est très important. Et puis aussi, un autre message, c'est quoi? C'est que à chaque fois qu'il y a des ruptures comme ça, on a l'impression que notre route est en fait détournée et que waouh, va falloir que je recommence à zéro. Non, 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 il s'agit pas d'un recommencement. C'est parce qu'on a souvent la perception, on se dit qu'on veut tellement avancer en ligne droite. Ça n'existe pas. Surtout si tu es dans notre paradigme authentique, on te parle de la spirale, de la progression en spirale. Ok? Et la progression en spirale, c'est que parfois tu avances comme ça et puis parfois tu arrives à un certain niveau, tu as l'impression d'être en bas. Mais par la suite, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu retournes et puis tu remontes. Ok? Donc cette rupture-là, voilà comme un down à un moment donné dans la spirale et ensuite tu vas te ressourcer et remonter. Donc la progression en spirale. Ok? Voilà. Et je crois que ça, j'avais parlé de ça une fois, mais ça s'adressait à Amon le Bélier, si je me rappelle très bien. Ok. Alors, j'aurais voulu rester un peu plus longtemps, mais là, comme vous voyez, la luminosité est en train de baisser, la batterie est presque à plat. Et puis aussi, on a fini. Et puis aussi, c'est l'heure de passer à table. Le menu, c'est quoi? Le menu, c'est... Le riz national, en fait, le riz national est devenu quinoa national. Comme vous le savez bien, je suis en train de divorcer avec le riz. Alors, je remplace le riz, pardon, par le quinoa ou alors le fonio et je fais des essais. Je fais des essais, des recettes qu'on faisait avec le riz d'habitude. Je mets le quinoa à la place et je vois ce que ça donne. Oh, c'est excellent, c'est excellent, c'est excellent. En plus, aujourd'hui, ce que j'ai fait, j'adore faire ça. J'adore faire ça et puis c'est en même temps aussi notre renaissance culinaire, non? C'est que, alors le riz national, c'est une recette donc haïtienne, mais j'ajoute une touche un peu. Donc, je fais ce mélange-là. Je crois que c'est des épices plus bamiléké, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai fait avec une touche un peu bamiléké. C'est vraiment bon. Parce que j'ai utilisé des épices typiquement de l'ouest, de cette belle région-là, de Kama. Délicieux, vraiment délicieux. Je vous invite aussi à faire ce genre d'union là entre nos nations, ok? C'est magnifique, ça donne de très belles choses. Oser, donc,
oser Haïti et puis le mandarin, oser Haïti et bref, moi j'aime trop parler de nourriture. La caméra va me... le téléphone va me lâcher là. Merci. Mais bon appétit à nous parce que vous êtes toujours invités. Et puis, non mais sérieux là, vous êtes invités. On se dit à la prochaine. Je crois que ça sera peut-être Serkette, hein? Serkette le prochain. Oui, si je ne me trompe pas. Portez-vous très bien. Encore une fois, bon équinoxe. Été pour, été pour, été pour, été pour.